Entrez. Ah, c'est vous, le loup. Mais asseyez-vous, mon bonhomme. Lastac, notre expert en faux, et le loup, inspecteur. C'est lui le cobaye. Je m'incline devant votre abnégation, inspecteur. Oh, ben c'est tout naturel. Enfin, ce Matouzek vous a tout de même barboté votre femme. Pour la frime. Le loup, ne parlez pas trop vite. Comment ça, chef? Inspecteur le loup, j'ai examiné votre livret de famille, vos différentes pièces d'identité. On n'y distingue aucune trace de maquillage. Ah! Et ce n'est pas tout, mon pauvre loup. Je suis allé dans les mairies comparer ces pièces avec les actes originaux. Les registres de naissance et les registres de mariage. Et ça correspond? Parfaitement. Ce Matouzek a également falsifié les registres d'état civil. Mais ça se voit! Non, ça ne se voit pas. Aucune trace de maquillage là non plus. Le travail est d'une perfection géniale. Impossible de distinguer le vrai du faux, mon pauvre loup. Mais alors, Matou m'a piqué ma femme. Pour de bon. Oh, Martine. Martine. Ma Martine. Ah, le loup, cessez de hurler. Vous avez une femme illégitime et une maîtresse légitime. Pour le dépanner, vous ne pourriez pas rétablir la vérité sur le registre? Ah, impossible. Moi, je suis incapable de refaire le travail de Matouzek. Je n'ai pas son talent. Alors, c'est vraiment définitif? Vous n'avez qu'un seul moyen de démasquer ce Matouzek. Un seul. Comme vous ne pouvez pas prouver qu'il fait des faux, il faut le prendre en flagrant délit en train de falsifier un registre. Inspecteur, commissaire.